Et salut tout le monde, c'est Mister Vinaik du 84. Bon là je suis épuisé parce que en fait j'ai fait une vidéo qui commençait de 18 minutes et d'un coup ça a coupé. Bon bref, allez, on commence avec ces deux petits DVD que j'aime pas. Tous les deux je leur mets un 10. C'est avec Sin Cara, MVP, Hurtengel, Shelton, Benjamin, Kevin Nash, 3 heures de catch. Les matchs derrière, je vous laisse mettre pause, je vais pas les citer puisqu'il y en a beaucoup. Ensuite, celui-là avec Team 3D, RVD, Sin Cara. Ouais, Brother Divine et Brother Ray. Il est revenu, Brother Ray, sous le nom de Booba Ray. Je sais pas quand il a quitté la WWE, peut-être c'est comme ça. Je me rappelle pas en tout cas. Allez, attendez, je continue. Match le plus marrant de SmackDown que j'adore. Je mets 18 sur 20 par rapport à ces matchs. Billy and Chuck contre. Pour le titre tag team, Billy and Chuck contre Hulk Hogan et Edge. Mysterio contre Chavo Guerrero. Chris Benoit et Eddie contre The Rock et Edge. Match pour le titre du championnat de la WWE, Brock Lesnar, Big Show et Kate Lorraine. Oh, Mysterio, pardon, excusez-moi. Mysterio contre Eddie Guerrero. Et match pour le titre des États-Unis, Chris Benoit contre Booker T. J'ai donné mes notes. C'est un 18. Si tu l'as, je vais mettre 19. Ma classe 2006, c'est mon pay-per-view le plus récent que j'ai. C'est mon pay-per-view le plus récent. Ouais, je fais une petite pause pour mettre une chaise. John Cena contre Triple H contre Edge. Triple menace match pour le titre de la WWE. Shawn Michaels et Drew contre Mr. McMahon et Shawn McMahon. Vous ne verrez pas très bien, là, je suis en train de voir. Rob Van Dam, Shelton Benjamin, Intercontinental et Money in the Bank. Le vainqueur remporte les deux. Big Show contre Kane et Carlito, Chris Masters. Ric Flair, Umaga et Michel McCool. Qu'est-ce qu'on raconte? Mickey James contre Trish Stratus pour le World Champion. Titre des Divas. Et j'ai dit que je mettais un 19. Ensuite, j'ai le Royal Rumble que j'ai perdu, malheureusement. Je me rappelle encore des matchs. Alors, Ric Flair avait sa carrière en jeu contre MVP. Ensuite, John Brasso Leifert contre Chris Jericho. JBL contre Chris Jericho, si vous préférez. Pour le titre World Heavyweight Championship, Rey Mysterio contre Edge, que j'ai perdu, malheureusement, en DVD. Je le voyais encore une fois. Et Randy Orton contre Jeff Hardy pour le titre de la WWE, le Rumble. C'est Cena qui gagne après avoir fait son retour. Allez, ensuite. Alors, là, ensuite, qui suit, j'ai Backlash, Judgment Day, et juste avant, il y avait No Out. Je les ai eu tous les trois, pas en même temps, mais dans des magazines. Backlash en premier. Backlash 2008. Lui, j'ai mis un petit. 16. Randy Orton contre John Cena contre Triple H contre JBL. Fatal 4-Way Elimination Match pour le titre de la WWE. Undertaker match pour le titre du monde pour lourd. Undertaker Edge. Match à 12 Diva, Mickey James, Maria Ashley, Michelle McCool, Sherry et Kelly Kelly contre Bex, Phoenix, Melina, Julian, Leila, Victoria et Natalia. Shawn Michaels contre Batista avec un rabbit spécial. Chris Jericho, Big Show contre le Great Carly. Kane vs Chavo Guerrero, MVP contre Matt Hardy, Matt Hardy qui a fait son retour à WrestleMania en cassant l'opportunité d'MVP de décrocher la mallette, et ce sera pour le match des États-Unis, pour le titre des États-Unis. Oui, j'ai dit, j'y mettais un 16. Je crois que j'ai dit ça. Ensuite, allez, on continue avec Judgment Day 2008. Lui, j'y mets un 18. Mickey James contre Bex Phoenix contre Melina. Je triple menace pour le titre des Divas. Match tag team, c'est John Morrison et le Miz contre Kane et CM Punk. Shawn Michaels contre Chris Jericho. Jeff Hardy vs MVP. John Cena contre JBL. Undertaker contre Edge pour le titre du monde poids lourd. Triple H contre Randy Orton pour le titre de la WWE en Steel Cage. Thank you.
Vous entendez un petit truc parce qu'il y a un autre DVD dedans. Voilà. Ah oui, Judgment Day 2008, je l'ai en double. Parce que je l'ai eu avec Top Catch plus. Je demande à mon frère de me produire. Voilà. Il y a du catch, il y avait des trucs là, un petit machin que je vous ai montré là avec Sin Cara, enfin ouais Sin Cara, Curtain Gall et tout. Et dedans il y avait Judgment Day 2008, pas celui-là. Ça, c'est où je fais la revue, alors je vais passer vite fait. CM Punk Omaga, John Cena Big Show, Mysterio, Match Intercontinental contre Chris Jericho. Match pour le titre de la WCW, Christian à Jack Swagger, Edge contre Jeff Hardy, match pour le titre du championnat du monde polo, match pour le titre de la WWE, Randy Orton à Batista, Animal. J'ai fait assez vite. Par contre là. Ouais, et celui-là, je vais lui mettre un petit 16. Je suis pas fan. Je kiffe pas trop. Qu'est-ce que je voulais dire? On va continuer. Ça me va direct à 2010. Ouais, je voulais dire aussi que en fait là bientôt tous mes plats de canettes plein de catch pardon bien sûr j'en ai beaucoup plus, j'ai pas des pêches canettes plein de catch pardon, on va y arriver. J'ai aussi des autres livres que j'aime pas, pour ça que je vais pas les montrer. Vous montrer aussi les posters. Maintenant on passe à mon seul et unique WrestleMania, WrestleMania 26. Ça c'est l'intérieur du DVD. Top, je pense que c'est pour monter les matchs. Match pour le titre de la WWE. Batista John Cena, match pour le titre du monde poids lourd. Chris Jericho à Edge. Undertaker Shawn Michaels pour la seule visibilité contre carrière. Match sans prise interdite. Bret The Hitman Hart contre Mr. McMahon. Triple H contre Sheamus. Match triple menace. Randy Orton, Cody Rhodes. Ouais, contre Cody Rhodes contre Teddy Biasi. Mysterio contre CM Punk. John Morrison et R-Truth contre Show Miz, le Big Show et le Miz, pour le champion unifié. Matt de l'échelle qui oppose Kane à Christian. Kofi Kingston, MVP, Matt Hardy, Shelton Benjamin, Heavenborn, Drew McIntyre, Jack Swagger, Dolph Ziggler. Match tag team avec Didiva, Mickie James. Kaylee, Eve, Gail Kim et Beth Phoenix. Michelle McCool, Maryse, Layla, Alicia Fox et Vicky Guerrero. Et en invité, on a les millions de dollars Teddy Biasi, Gorgon, Morgan George, Wendy Richter, Maurice McDonald-Vision, Antonio Inoki, Bob Hacker et Stu Hart. Alors je trouve que là j'ai fait beaucoup plus vite et celui-là je vais mettre 18. Non, mais pas vous. Très très bon. Parce que j'ai fait un peu plus vite par rapport à tout à l'heure. Attendez, j'attends que vous voyez. Si ça met pieds. Ah, il y en a là aussi. Hop. Excusez-moi. Hop là. Alors maintenant, on continue avec le Royal Rumble 2011. Avec les matchs suivants, le plus grand Royal Rumble de l'histoire, le meilleur match du Royal Rumble de tous les temps, bien sûr. À 40 hommes qui avaient gagné par Alberto Del Rio. Miz contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Edge contre Dolph Ziggler pour le titre du monde poids lourd. Ce match devait être Michelle McCool et Layla contre Natalya pour le titre de la WWE des Divas. Excusez-moi, j'ai merdé là. Mais ça s'est transformé en Fatal 4-Way et ils ont ajouté Edge au match. Eve au match. Et sur le pay-per-view, j'y mets 17. Parce qu'il n'est pas tellement extraordinaire. Je suis tellement perdu que tout le monde veut. C'est Money in the Bank 2011. J'ai bientôt avoir One Night Stand 2008 qui est aussi un très très bon pay-per-view. Je sais pas quand c'est de l'avoir et peut-être un cet après-midi. Match pour le titre de la WWE, John Cena contre CM Punk. Match de l'échelle, Money in the Bank de Raw. Rey Mysterio, Kofi Kingston, Alex Riley, Evan Bourne.
Alberto Del Rio, Le Miz, Truth et Jack Swagger, match de l'échelle pour SmackDown. Kane contre Sin Cara, contre Daniel Bryan, contre Sheamus, contre Wade Barrett, contre Cody Rhodes, contre Justin Gabriel, vs East Letters. Anderton, Christian, Big Show, Mark Henry, match pour le titre des Divas, et qui oppose Kelly Kelly à Brie Bella. Le match Big Show et Mark Henry, c'est une veste de Big Show, Mark Henry. On dit la matraque encore. Night of the Champion 2011. Kelly Kelly contre Beth Phoenix, match pour le titre de la des Divas. Elbourne, Kofingston et Evenbourne contre Miz et Truth pour le titre tag team. Cody Rhodes contre Teddy Biasi pour le titre intercontinental. Dolph Ziggler, Alex Riley, Jack Swagger, John Morrison pour le titre des États-Unis. Randy Orton, champion du monde pour les lourds, qui défend son titre face à Mark Henry. Match sans disqualification, CM Punk vs Triple H. Match pour le titre de la WWE qui oppose Albert Del Rio à John Cena. Bien sûr, tous les matchs que j'ai cités pour le titre de la WWE, tous les matchs que j'ai cités n'étaient pas dans l'ordre du show. Allez, on continue. Petit peu perdu. Qui est peut-être petit, mais il est très très bon. John Cena et O'Rourke, là il n'y a que les matchs principaux. Contre le Miz et Orsam Truth. Le début du règne de CM Punk face à Alberto Del Rio pour le titre de la WWE. Pour le titre pour lourd, il y a le Big Show contre le World Strongman Mark Henry. On continue avec ce DVD que j'ai eu. J'ai que le DVD 1 parce que je l'ai eu avec un magazine. Avec CM Punk contre Dolph Ziggler au Royal Rumble 2012. L'Elimination Chamber de SmackDown, attendez, si je me souviens bien, il y avait, parce qu'au dos, regardez, il n'y avait pas les bons matchs. Si je me souviens bien, alors il y avait Wade Barrett, Santino Marella, Le Big Show, Daniel Bryan, The Great Khali et Cody Rhodes. Ouais, ça fait 6, c'est bon. Et bien sûr, le match Triple H contre Undertaker à WrestleMania 28, End of an Era. Dans un Elimination match avec un invité spécial, Shawn Michael. Allez, on continue là, 2012. L'année 2012. Voilà. On continue avec le Royal Rumble 2012. Pas grand chose à dire. Le match Royal Rumble gagné par Sheamus. Triple menace Daniel Bryan contre Mark Henry contre le Big Show pour l'équipe du monde poids lourd. CM Punk contre Dolph Ziggler pour le titre de la WWE. Un invité spécial John Laurinaitis. John Cena contre Kane. Et encore plus de matchs. Et le dernier match, c'est Brodus Clay contre Joe McIntyre. Hop, ensuite. Un match d'ouverture là, par contre, c'est dans l'ordre. Anderton contre Kane, Falcon Anywhere, où le tombeau peut se faire partout. Brody Show contre Dolph Ziggler, le Big Show contre Cody Rhodes pour le titre intercontinental dans un table match. Match table. Le meilleur des trois manches, Two of Three plutôt. Le meilleur des trois manches, il faut faire deux tombées. Ryback contre Aaron Rowley et Jay Hyton. Match handicap, bien sûr. Bagarre de rue façon Chicago pour. De la WWE qui oppose CM Punk à Chris Jericho. Nikki contre Leila dans un match pour les Divas et Brock Lesnar contre John Cena dans un match Extreme Rules. Très bon pay-per-view que je note 17 sur 20. Le Royal Rumble, je le note, que j'ai oublié de noter 17 sur 20. Le petit pay-per-view, celui-là, 16. Pourquoi que non, 17, même voire 18. Ouais, 18. Celui-là, 18. Celui-là, si je ne l'ai pas déjà noté, 18. Celui-là, si je ne l'ai pas déjà noté, 17. En tout cas, Royal Rumble. Celui-là, je crois que je ne l'ai pas noté, en tout cas, c'est un bon 19. Si j'ai noté et que j'ai dû avoir un autre chiffre, c'est le dernier qui compte, ok. C'est le dernier que j'ai fait
continue avec mon ligne de bain qui est le match principal là-dessus. Je me sers Alberto Del Rio pour le titre du monde poids lourd, CM Punk Daniel Bryan pour le match sans disqualification pour le titre de la WWE en arbitre spécial AJ, ça fait beaucoup de choses à dire. Hop, attendez. Dan Cena contre Kane, contre Grégory, contre le Bicho, contre le Miz. Match de l'échec, donc que les anciens champions qui ont marqué l'histoire peuvent avoir une chance de redevenir champion. Match de l'échec pour obtenir une chance du Money in the Bank de SmackDown. Christian, Dolph Ziggler, Tensai, Santino Marella, Damien Sandow, Tyson Kidd, Cody Rhodes et Sin Cara. Et lui, je vais mettre 17. Moi, je sais que c'est très élevé parce que c'est des très longs shows. Très bon show. No Surrender. Match, ça par contre, c'est d'une douce TNA que j'ai eu avec plein de cash. En vendant contre Magnus, un match 1 contre 1. Cena Long contre Sanjay Dutt pour le championnat de la X Division. Christopher, Daniel et Kazarian contre Justy et Kurt Angle, championnat par équipe. Mystery Matcher contre Tara, championnat des Knooks. Demi-finale de la Bound for Glory série Billy Ray contre James Storm. L'autre demi-finale de la Bound for Glory série qui oppose Samoa Joe à Jeff Hardy et la finale Jeff Hardy Billy Ray de la finale de la Bound for Glory. Et lui, en seul et unique, j'ai mis un 17. Allez, alors c'est beaucoup. Courage, faire Extreme Move 2013. Le main event c'est la Triple H contre Brock Lesnar dans un Steel Cage match. Alors si je me souviens bien, il y a Dean Ambrose contre pour le titre des États-Unis contre Kofi Kingston. Championnat du monde par équipe c'est Roman Reigns et Seth Rollins contre Kane et Daniel Bryan. Team Hell No, le match de la corde là comme vous voyez, que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, qui oppose Sheamus à Mark Henry. Last Man Standing Match, Ryback à John Cena pour le titre de la WWE. Dans un Extreme Rules Match, le Big Show à Randy Orton. Canada, attendez, on regarde, il y a Alberto Del Rio dans un Quit Match contre Jack Swagger. Ceux qui gagnent auront une chance pour Dolph Ziggler. Dolph Ziggler était blessé et avait le titre. Du monde polo. On est arrivé, et bien sûr, il y a des autres matchs. Hein. Le Miss Cody Rhodes. Je prends beaucoup de faire de review. Attendez, je vais vous dire les reviews que j'ai à faire. J'ai marqué. Attendez, si je me casse pas la gueule. Review. J'ai mis No Way Out 2008, Backlash 2006, WrestleMania 26, le mini CD aussi, là, que je vous ai montré avec le carton. Survivor Series 2011, le Royal Rumble 2012 et 2011, MITB 2012 et 2011, Extreme Rules 2014 et 2012. Et je compte faire aussi mon in the bank, vous verrez ce que c'est. On va passer à mon in the bank 2013. N'hésitez pas à proposer ce que vous voulez voir en revue dans les commentaires. Alors là, on va commencer. AJ contre Caitlyn pour le championnat de la Diva, des Divas. Curtis Axel contre le Miz, Alberto Del Rio contre Dolph Ziggler, pour le titre du monde polo bien sûr, John Cena contre Mark Henry, de l'échelle Money in the Bank pour le contrat de la WWE, Rob Van Damme, CM Punk, Daniel Bryan, Randy Orton, Christian et Sheamus. Match pour le titre de l'échelle Money in the Bank SmackDown pour le titre polo, je suis en train de foirer là. Dean Ambrose, Fandango, Antonio Cesaro, Jack Swagger, Damien Sandow, Cody Rhodes, Wade Barrett, et bien sûr le dernier match, Chris Jericho, enfin pas le dernier match de la soirée, mais voilà. Chris Jericho, Ryback. Et le pré-show c'était, là vous allez voir, match tag team Seth Rollins et Roman Reigns contre les Usos pour le titre par équipe. Hop, ensuite le plus récent que j'ai, Extreme Rules 2014, vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez entendu. Alors, Daniel Bryan qui défend ses titres unifiés face à Kane dans un Extreme Rules match, très bien. The Shield contre l'Evolution, John Cena contre Bray Wyatt, Steel Cage match. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Wade Barrett contre Biggie Langston, Rob Van Damme contre... Rob Van Damme
contre qui on a envie de dire. Contre Cesaro, contre Jack Swagger pour Elimination Match, Triple Menace. Et beaucoup d'autres matchs. Hein. J'ai oublié de les noter. Lui, je mets 19. J'oublie toujours de les noter. 18. Lui, si je ne veux pas noter, je mets 16. Et attendez, je fais une petite pause. Je reviens de suite. Attendez. À toutes. Ouais, allez, on se retrouve pour la suite. Là, c'est annuel 2014. Alors avec ça, dedans, là, j'avais eu des cartes de catch. Que ils sont là quand je vous les présenterai. Alors, hop. Ça, j'ai envie de les citer exprès. Mais bien sûr, je pense pas tout vous citer. Allez, si, je vais tout vous citer quand même. Alors, The Champion Ascension Ceremony. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Je vais vous citer pour le match TLC match Ryback contre CM Punk. Je vais juste vous citer ce qui est intéressant. Ouais. TLC pour le titre de la WWE Ryback contre CM Punk. Là vous voyez rien, mais c'est pour ça que je peux vous mettre en demander de mettre en pause. Big Show contre Alberto dans un Last Man Standing match pour le titre de la du monde polo. Drock contre Fonty M. Punk pour les men parle avec McMahon. John Cena contre CM Punk, Kera et Salmania le match contre le Rock. Attendez, je vois pas bien. Le Rock et Cena parlent. Finalement j'ai dû vous dire. Alors là bien sûr c'est annuel, ça veut dire qu'il y a les best of de Raw et SmackDown et aussi il peut pas. Alors Punk disrespect the memory of Paul Bearer. En gros, il se fout un peu de la gueule de Paul Bearer. Handicap match, Jack Swagger et Zed Coulter contre Alberto Del Rio. Bien sûr, Dolph a un classeur sa maladie juste après. Kofi Kingston contre Fandango. Sheamus et Randy Orton contre Mark Henry et Big Show. Undertaker, Kane et Daniel contre le Shield. Brock Lesnar détruit le bureau à Triple H. Chris Jericho contre Curtis Axel. Mark Henry ça c'est l'annonce de la fausse retraite. Daniel Bryan, Randy Orton, Street Fight. Et le dernier match, Alberto célèbre, célèbre son titre. AJ et Kathleen contract signature pour Money in the Bank. Zoya Family make a statement, ça je sais pas ce que c'est. Damien Sandow, Street Hall. Ça c'est Cody Rhodes qui jette la mallette à Damien Sandow dans le Golf du Mexique, Rob Van Damme contre Randy Orton, Miss TV White qui accueille John Cena et Daniel Bryan pour le SummerSlam, Santino Marella contre Antonio Cesaro, Joe Big Show fait face au Shield, bon, 1 contre 3 mais c'est pas un match, Daniel Bryan et Cody Rhodes et Goldust contre le Shield, match sans disqualification pour les titres par équipe qui oppose le Shield à Goldust Cody Rhodes, ensuite on a John Cena, Cody Rhodes et Goldust contre Damien Sandow, Antonio Cesaro, Jack Swagger. Ensuite, il y a CM Punk et Daniel Bryan contre le Shield en 2 contre 3 et Championship Ascension Ceremony. C'est avant TLC. Avant le match, TLC annonce le match. Ensuite, pour les best-of des pay-per-view des matchs de 2013, pour les titres de la WWE, CM Punk contre le Rock, John Cena, Ryback et Sheamus contre le Shield à Elimination Chamber. La Street est mise en jeu face à CM Punk à WrestleMania. Le Rock contre John Cena dans un match de championnat de la WWE. Attendez. Ensuite, RKO vs NWD, c'est extrêmement le match Randy Orton et Big Show. Steel Cage match qui oppose Triple H. Ouais, ça tourne, c'est bon. Triple H à Brock Lesnar. A buyback. Championnat intercontinental triple menace Wade Barrett contre le Miz contre Curtis Axel, Caitlyn contre AJ Lee divers match, Dolph Ziggler pour le titre du monde poids lourd qui affronte Alberto Del Rio et Money in the Bank. Money in the Bank de SmackDown que j'ai c'est Cody Rhodes, Dean Ambrose, Wade Barrett, Jack Swagger, Antonio Cesaro, Fandango et Damien Sandow. On ne peut pas avoir cité ça, c'est pas grave. Ensuite, CM Punk contre Brock Lesnar, No Disqualification Match, SummerSlam, je l'adore ce match. John Cena contre Daniel Bryan, SummerSlam, je l'adore aussi. Alberto contre Van Damme, un Age of the Champion, il est pas mal.
AJ contre Natalia, contre Naomi, contre Brie, il est bien. Pour le titre de la WWE des Divas. Seth Rollins, c'est Roman Reigns contre Cody Rhodes et Goldust Battleground. Alberto Del Rio qui défend son titre contre le retour de John Cena. Ah, il y a une grosse erreur, il y a écrit Steel Cage Match pour le titre de la WWE avec spécial Arbitre Shawn Michael alors que c'est Hell in a Cell. C'est Hell in a Cell, Randy Orton contre Daniel Bryan pour le titre de la WWE dans un Hell in a Cell. Un arbitre spécial Shawn Michael. Je remets les CD, je reviens. Et je mets un 19 sur 20 parce que pardon. Ah si, ensuite là j'ai enlevé les CD. Ensuite on se rejoint pour les matchs annuels. Je crois que c'est comment il s'appelle? Strain Edge to the Top Money in the Bank. En gros c'est tous les Money in the Bank de l'histoire jusqu'à 2013. Alors on a Chris Jericho, Chris Benoit, Shelton Benjamin, Edge et Christian Kane. Et bien sûr c'est Jericho qui a inventé ce match. Ensuite, WrestleMania 22, c'est Ric Flair, Rob Van Dam, Shelton Benjamin, Matt Hardy, Finlay, Bobby Lashley. WrestleMania 23, c'est... Attendez, je vais mettre la casse de maman, non, c'est bon. La boîte de maman, non, c'est bon, je vais plutôt laisser comme ça. Jeff Hardy contre King Booker, contre Finlay, contre CM Punk, contre Mr. Kennedy, contre Matt Hardy, contre Randy Orton, contre Edge. Pour WrestleMania 24, c'est Chris Jericho, Shelton Benjamin, John Morrison, Carlito, CM Punk, MVP, Mr. Kennedy. Ensuite, c'est WrestleMania 25. C'est CM Punk contre Kofi Kingston. Contre. Attendez, je vois pas. Contre MVP, contre Finlay, contre Christian, contre Kofi Kingston, contre Shelton Benjamin et Mark Henry. WrestleMania 26, le dernier Money in the Bank WrestleMania. C'est. Kane contre Christian, contre Kofi Kingston, contre MVP, contre Matt Hardy, contre Shelton Benjamin, contre Evan Brown, contre Drew McIntyre, contre Jack Swagger, contre Dolph Ziggler. Après il y a 2010 et les autres je les citerai pas parce qu'on les a vus. Ensuite c'est Money in the Bank, Money in the Bank c'est SmackDown, c'est Big Show, Kane, Kofi Kingston, Christian, Matt Hardy, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Cody Rhodes. Et en haut c'est Kane, Sin Cara, Daniel Bryan, Sheamus, Wade Barrett, ah non merde, voilà, Sud Raw de 2010, c'est Randy Orton, John Morrison, Evan Bourne, Mark Henry, Edge, Chris Jericho, Le Miz et Tony Bessie. Et tous les autres, ben on les a cités tout à l'heure. Ouais, tous les autres. Allez, on passe au dernier. Attendez, reviens. Ouais, à chaque fois je dois faire des pauses en fait, c'est simple parce que faut que je remette les DVD dans leur coffret et tout. Parce que faut les enlever, en fait les matchs ils sont sous le DVD. Et le dernier, c'est un poste qui me l'a donné. C'est le monde d'un géant, c'est The Big Show. Voilà. Alors, le premier DVD, c'est sur la vie du Big Show, quand il est arrivé à la WWE. Là c'est tous ses matchs principaux. Alors, il y a The Giant, Hulk Hogan. Ça, c'est le truc du Monster Truck, là. Monster Truck Sumo Match, après il y a le match pour le titre poids lourd. Le premier match du Big Show, il a gagné le titre poids lourd en fait. La WCW. The Giant contre Nature Boy Ric Flair, à Nitro, pour le titre de la WCW. The Giant contre Sting, WCW World Heavyweight Champion. À Raw, Big Show contre Stone Cold qui fait ses débuts à Raw. Fait son premier match. Le Big Show contre le Rock contre Triple H au Survivor Series 1999. Triple menace parce que Stone Cold ne pouvait pas catcher. Le Big Show contre Brock Lesnar au Survivor Series 2009, match très expéditif pour le titre de la WWE. Match sans disqualification, Floyd Mayweather, Money Mayweather contre le Big Show, WrestleMania 24 et beaucoup plus de matchs. Mais ils sont pas tous cités là, et en fait le deuxième et le troisième, mais c'est des matchs du Big Show. Bon ben voilà, attendez, je vais compter tous mes DVD. Alors déjà là, on en a, ouais, merci. Allez, on en a 3 là, 6. Puisque dans celui-là, il y en a 3, 6 plutôt, 6. Ça fait 9, 12. Je finis de les compter, je reviens. Ouais, re tout le monde, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai autour de
35 DVD, j'en ai compté 35, mais il me semble que j'en ai loupé. Pour WrestleMania 26, en fait, le deuxième DVD, c'est que les deux matchs de la soirée, plus les matchs des légendes, leur plus grand match des Hall of Famers de l'année, plus le pré-show, où Cetasto remporte la Battle Royale. Bon, c'est fini, c'était bien long, mais on y est arrivé. Allez, ciao tout le monde. Ouais, excusez-nous, la vidéo n'est pas finie. Ne partez pas, ne partez pas. C'est juste que avec le Royal Rumble, ça fait 36 DVD, le Royal Rumble 2008. Ça fait 36 DVD.